Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien. Oui, je tourne l'épisode 9 maintenant parce qu'il fait encore jour. Et tant qu'il fait pas nuit, je n'arrête pas. Let's go. Oh putain, j'allais arrêter l'enregistrement. Allez, on va à la casse avec Caitlin. Dans le dernier épisode, on s'est fait T'étais choper déjà venu? par À la casse? je sais Non. plus qui. J'ai juste vu le panneau Par en Travis, arrivant. le flic là. Avec Laura et Ryan. Donc ouais, c'est... Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route? C'est pas la grande route? Non, on est sur le terrain des Hackett. La grande route est à 2 km, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout? Oh, ta gueule! Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi ça? Faut continuer. Ok. Let's go! Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête! C'est trop classe un crochet. Je te promets, Wow, tu vas choper comme jamais. c'est plutôt original, ouais. C'est vrai que c'est plutôt original. Même si les gens... Je pourrais varier les Je regarde un accessoires. petit live, Twitch en Voilà, même temps. assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais, je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en Après, les rigolera gens vont tous te dans harceler. quelques Hey, années. t'as perdu ta Toi, main. moi, Hey, c'est peut-être marrant, même hein. Ryan. T'es différent des autres. Hey, c'est marrant. Est-ce qu'on a raté notre chance? Hein, c'est par rapport. Voilà, est-ce qu'on a raté notre chance? On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Je sais même pas si vous Ça entendez, changerait mais... rien de toute façon. On a enfin Mais bon. trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûres d'elles. Avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Oh, allez, par là. Lâchez-moi! Doucement, maman. Lâchez-moi, vieille sorcière! Exploser la cervelle! Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Lâchez-moi tout de suite! Crève, pétasse! Arrêtez tous! Constance. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Réveille-toi. Allez. Allez, debout, debout, allez. Oh. C'est fini, mon petit Bobby. Maman est morte. Oh. Tu ne protégeras plus personne, Travis.
C'est vrai, c'est aussi un peu de la faute. Wow. C'est un peu de la faute à Travis, parce que Travis. Wow. Il va renfaire son couteau là dans les côtes. C'est un château, il fait beau. C'est vrai, c'est de la faute à Travis, parce que Travis, c'est lui qui a sauvé les deux. Je pensais pas aller lui tirer dans la gueule comme ça. En même temps, c'est des méchants, ils veulent nous buter. Ok, ok, j'aime pas ça. Tire d'un coup, sec. Ouais, mais vas-y, oh, vas-y, tire. Ouais, mais après, si tu penses, si tu enlèves le couteau. Tu vas te faire une hémorragie ou je sais pas quoi, tu vas pisser. Non, arrête de tirer. Garde-le et faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te soigner. Mais non, attends, peut-être. J'aurais dû enlever le couteau. Comme ça, j'aurais pu me protéger. Ouais, c'est pas grave. Attends, c'est quoi le chemin? Cher payé. Ah. Ryan a choisi de ne pas tirer. Ou peut-être c'est aussi que si j'aurais retiré le couteau, ça aurait fait comme dans la vraie vie. Genre que ça t'aurait coupé des choses à l'intérieur et t'aurais perdu beaucoup de sang. Ah voilà un tissu. Ah non, pas du tout. De Kaylee. Et je vais voir la lettre. Oui, il va les lire. C'est pas la porte où on sort. Wow, 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 wow. Putain, le lit! Il est un peu haut, je trouve. Là, j'ai tout regardé. Allez, on va essayer une fois la porte là. Et il y a un trou là. Ouais, bah je pense qu'on va aller à la porte. Hein. Eh mais dans le jeu, toutes les portes sont fermées ou quoi là? Le placard, placard. Dans le placard.
Et il va ouvrir la porte là. Je suis là, j'attends. Terminé. Pas dans ma propre baraque, enfoiré! C'est toi, l'enfoiré. Après, là, je me pose la question, c'est... Si genre, si j'aurais enlevé le couteau, c'est soit il aurait perdu beaucoup de soins et il serait mort. Après... Ben oui, c'est ça! Courir... C'est ça en fait. Si j'aurais enlevé le couteau, j'aurais perdu du sang et il aurait su que je serais dans le placard. C'est ça le truc. Ah ouais, faut penser. Putain, mais il y a tellement de manières en fait. Si j'aurais enlevé le couteau. J'aurais enlevé le couteau, j'aurais pissé le sang. J'aurais enlevé le couteau, j'aurais pissé le sang. Et... Il aurait eu mes traces de sang. Je t'entends respirer, ma petite. C'est faux, ça. Je t'entends respirer, ma petite, c'était qui? En fait, cette maison, c'est que pour les opérations secrètes. Ouais, mais le piano, c'est une mauvaise idée. Hein. Il y a des ours dans le coin. Oui, ben là, on n'a pas trop le temps d'admirer les trophées de chasse. Hein. Et le piano, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Alors. Cet endroit est trop flippant, les amis. North Hill. Alors généalogique, là je sais plus parler. Hackett. Kaylee Hackett. Non, on peut pas. Ah.
C'est fini de jouer maintenant, ma petite. C'est toujours enfoiré. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. On va courir. Quelle est ta position? Donne ta position. Où es-tu? Hé! Que tout le monde s'arrête! Ça suffit comme ça! Tu l'as. Fais-lui sauter la cervelle. Tu sais ce qu'elle a fait à Kaylee, en plus d'avoir tué ta mère. Oh là, je te jure, chapitre 9, chapitre 10, la tension, elle va monter. Là, j'ai mal au vide. Enfin, pas mal, mais quand même. Allez, allez, mon vieux. Il faut que tu m'aides. Ah bon? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Oh ah, tu m'as planté! Ouais, ça fait mal, hein? J'avais jamais été planté avant. Laisse-moi tranquille.
Aïe, mais ça fait mal. Papa! Sérieux? C'est quoi cette réaction? Papa! Laura! Ouais. C'est moi! C'est moi! Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, Ryan! C'est grave. Qu'est-ce que j'avais pas dit si j'enlevais le couteau? Je suis désolée. Si grave que ça. J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant toi. C'est pas de ta faute. C'est celle de Romain. Rien m'obligeait à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Je crois pas que tu sois ma mère. Non. Désolé. Je vais mourir. Mords-le. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça va guérir, hein. Peut-être que oui. Quoi? Ryan. Oui, je dirais... Faut qu'elle le morde. Et ensuite, t'ampute direct. Enfin, ça va vous être comme ça. Hein. Si tu me laisses te mordre... Quoi? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ouais. Oh. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne, et celle de Max, et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à quête. Ou je me vide de mon sang. On va arrêter tout ce bordel. En gros, ouais. On va tuer Chris à quête. T'as le choix, pour l'instant. On va la laisser nous mordre. Alors, on y va ou pas? Oui. Allez, laisse-moi faire le choix. On accepte. On va finir tout ce bordier. Vas-y. On va finir tout ce bordel. D'accord. J'ai la viande bien tendre. Vite. Ok. Commencer à te sentir mieux bientôt, je pense. Merde. C'est quoi? Les boutons. Allez, je te tiens. Au moins, il a envie. Tu...
va finir tout ce bordel. Parce qu'on a quand même perdu la personne la plus gentille de ce groupe. Bon, enfin, c'était aussi une peste. Hein. Ceux qui sont transformés, c'est Nick, Emma, Laura. Les mecs ne jettent jamais rien, hein. Ah, c'est une casse. Bon. Hein. Monsieur, jette. Est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement? Un doigt d'allumeur. Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des moteurs? N'importe quoi qui serait intact. Compris. On joue Dylan. Ah, cool. Je l'aime bien, Dylan, moi. C'est un petit bâtard, mais... J'ai l'impression qu'on a de quoi bien s'occuper, hein. Il n'a pas peur. Ah, essaie de faire moins de bruit. Oh, ouais. Merde. Tu trouves un truc? Non, pas encore. Continue. Bon, encore, elle regarde à peine avec ses yeux, elle ne soulève même pas les choses. J'aime pas les caméras comme ça. Mais normalement, c'est à l'intérieur des casques qu'il y a les petites pièces, genre les freins, les disques. Et tout ça, normalement, c'est à l'intérieur. Et mais ça veut dire s'il y a un truc là, je sais pas comment ils les appellent, un monstre. Ah, normalement, c'est à l'intérieur qu'ils sont les boîtes d'allumeurs, vu que c'est des petites pièces, ils les mettent pas à l'extérieur. Les grosses pièces comme les capots et tout ça, tu peux les choper à l'extérieur dans les... Mais... Bon, vous m'avez compris. Mais j'ai remarqué, il y avait le mec qui coupe en plein jeu. Il y a 22 cartes, donc c'est 2 cartes. 2 cartes par chapitre. Donc là, j'en ai raté une. Là, je... Ouais, je... Ça va. On va finir dans un documentaire. Mais non. Allez, ta gueule, viens. Non. Déjà, on sait que s'il y a un monstre... Le truc s'allume. Attends, on n'a pas regardé en haut. Peut-être en haut, il y a un truc. Déjà, il y a des pneus. Calendrier. Août. Pleine lune, 22 août. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. Putain, elle m'a fait peur, elle. Note de la casse. Et putain, cette demande griffonnée de tenir une entrée hors des registres est pour le moins suspecte. Il doit y avoir quelque chose là-bas. T'es, c'est qui? Travis. T'es, c'est... On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Ah bah, y a plus rien. Putain, y'a un peu... Frère, ça garde des pneus, c'est... Bon, en même temps, c'est une casse. Une casse, y'a pas des trucs neufs, hein. Mais tu descends? Bon bah, les amis... Vous savez où on va? Dans l'antre de la mort. Regardez, donc s'il y a un monstre, on le saura direct. Ah ouais, c'est... Ah ouais, je vois. C'est le reflet de la lumière sur l'eau.
En fait, ici, il n'y a rien. Oh, j'ai entendu un corbeau. Ça, j'aime pas. Mais c'est un bordel la casse. J'en ai vu des casses, mais elles étaient pas aussi bordeliques. Elle est où, Kate? Ah putain, elle m'a fait peur. Ouais, elle me laisse pas tout seul. J'ai eu peur d'une lumière. Mais c'est même pas le bruit, c'est le flash quand il m'a atterri dans la gueule. Voiture neuf. Oh, j'ai marché comme ça moi. Oh, passe quoi là? Alors, t'as déjà conduit une grue toi? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot? Protège-moi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein? Ouais. Bonsoir. Faut quand même qu'elle nous protège et... Vu les ensembles de caméras, je pense qu'on n'est pas tout seul. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le retour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez, on va tenter. J'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon, peut-être essayer de marcher ce machin. Oh, c'est cool. Eh, va voir. Oh. Voilà. Klaxonner. J'aime pas le son. Saute pas.
Allez, allez. Lâche tout. Là, fallait en rater aucun des QTE. Et par contre, là où faut appuyer sur A, ils étaient chauds. Waouh. Je sais même pas si vous me voyez à la caméra. Là. On commence à faire nuit. Je pense. Et hey, je pense, les amis, je vais le faire demain. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Je veux faire demain, de toute façon. Mais j'ai hâte de savoir qui ils choisiront. Quoi ? Pour jouer mon rôle. Dans le film. Sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Parce que franchement, il va être très fort bon. Le prochain. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ? Toujours mieux que de rester ici. Allez. Mais attends, la pièce d'allumage. Mais attends, les phares sont toujours allumés, pourquoi t'as pas... Pourquoi ils ont pas pris la pièce là ? D'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Tout simplement. Normal, ça bouge là-bas. Sois prudent. Ouais. Attends, j'y vais direct parce que je... Oh ! Ah ouais, mais on craint rien. On est tous les deux mordus.
Abby ! Le fusil ! Ça va passer sur YouTube ça? Ça va, c'est pas si gore. Hein. C'était qui ça? Mais on l'a tué ! Merci de ne pas m'avoir tué. Ouais, pareil. Bon, tout le monde redevient comme avant ? Quoi ? Ah. Tu crois que c'est terminé ? C'est pas si simple. Ouais, c'était sûr. Je comprends pas, là. Chris est mort. Ah. Chris, c'était pas le premier. C'est impossible. Pourquoi le son lui baisse à chaque fois ? Caleb. Kaylee. La fille que t'as tuée. Son frère. C'était lui le premier. C'est lui le premier! Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. C'était un homme bien, mon frère. Mais alors, qui a mordu Caleb? Silas. On le traque depuis longtemps. C'est un gitan, un nomade. Il avait quitté la région, mais on espérait le revoir pour en finir. Il a été repéré un peu partout sur la côte, un enfant sauvage albinos, un loup blanc géant. Un loup blanc. Hein? T'as dit quoi? Où? Où tu l'as vu? Hé, lâchez-le! Vers les cabanons, un peu plus tôt! Ok. Ok. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment, et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a 2 mois. Aidez-moi. Aidez-moi. On peut sauver Caleb. On peut sauver ce qui reste de ma famille. On peut aider ceux qui sont encore en vie. Pourquoi je vous ferai confiance ? Je te demande pas ta confiance. Je dis juste qu'on peut en finir. On tue Silas, et tout le monde sera guéri. Tous ceux qui sont encore en vie. Bah Chris, Kaylee, c'est foutu. Ok, ok, alors... où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Ah, je suis au sud de l'eau. Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Ça veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Je comprends. Oh mais toi, t'as pas fait mieux, t'as tué sa mère. Et t'as ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues? Ouais, mais elle a pas fait mieux, elle a tué sa mère, son père, son... Bobby. Enfin, Bobby, c'était Chris. Je parle pas de Chris Marley. Attends, Chris... Marley, ouais, je sais pas ce que je raconte. Ah... Vous aviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Hein?
ça nous fait rire. Qu'est-ce qu'elle me raconte-t-elle? J'ai tué tout le monde. Sauf le flic. Je comprends pas, là. On la laisse pas. Il reste du temps. Nous pouvons encore triompher. Le passé est le passé. Ouais. Concentrons-nous. Sur le futur, voulez-vous? Le soleil. Le loup blanc. Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous le montre? Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux voir. Si je peux voir, je veux voir. C'est Emma. J'avais dit, c'était Emma, le mec. Une dernière fois, repartez pour mettre fin à tout ça. Bon, les amis, elle l'a dit une dernière fois. Attendez, on va voir. Chapitre 10, c'est ça. Pour être sûr, on sait jamais parce que... Normalement, c'est quand la grand-mère apparaît tout le temps. Chapitre 10. Max, on va... Non, on va jouer Max. Oh, trouver Laura. Donc les amis... On va quitter. Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je veux dire... N'oubliez pas. Chapitre... Oh, 8h08. Ouh. Entre 8h et 10h, c'était prévu de toute façon. On va se quitter là-dessus. Moi, je dis, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, liker. J'ai déjà dit, je sais plus. Activez la cloche de notification. Et... On se retrouve demain, le 15, non le 16, je sais plus quelle journée. Peace.